Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma commission permanente préférée, la commission des lois. Son intitulé complet est Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Sur quoi travaille-t-elle? La police, la justice, les libertés publiques, le droit électoral, le statut des élus, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, le fonctionnement administratif de l'État, ainsi que celui des collectivités territoriales. Ces thématiques de travail sont très très larges. C'est aussi elle qui a la charge des propositions au projet de loi constitutionnel. En clair, quand on veut modifier la Constitution, c'est par cette commission que commence le travail législatif. D'ailleurs, par défaut, beaucoup de propositions de loi atterrissent d'abord sur le bureau de la commission des lois, qui sont souvent les plus fantaisistes. Par exemple, proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire le beurre salé dans la Constitution. Non, ce n'est pas une vraie proposition de loi constitutionnelle, mais c'est de ce niveau parfois. Comme c'est finalement la commission la plus généraliste, c'est aussi celle qui travaille le plus. Les députés qui en sont membres sont plus facilement visibles ou audibles que les autres. Ce qui explique pourquoi elle est également très demandée en début de mandat. Il passe sa vie sur les plateaux de télé, celui-là. La commission des lois est aussi celle qui est le plus en prise avec l'actualité politique, ce qui en fait un organe où les polémiques ont le plus de place. Mais, disons-le ouvertement, c'est souvent dans cette commission qu'on entend les plus belles âneries de cette maison. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce du haut. À bientôt !